Alors, on est le lendemain du jeudi 28. comment arriver au salon de la Reine? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est tout droit. Attention, station fréquence pour Dundee 33 là, qui arrive là, sur le salon de la Reine. Attention, Dundee 33, démon 72, est-ce que tu me reçois? Qui est au salon de la Reine? Oh putain, ça m'a collé l'aiguille qui est même parti derrière le poste. Bon, ben je suis à quelques mètres de toi, les 73-51. Moi je suis au milieu du parking, si t'arrives maintenant, tu reconnaîtras le sticker. Oh oh. Oh oh. Alors, le sticker. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, je le vois bien le sticker. Je le vois très bien le sticker. Ah, il est joli le sticker. Là, ah oui, il faut le voir de plus près le sticker. Ah oui, il n'y a que ça de beau dessus en fin de compte le sticker. C'est le reste, on s'en fout, mais du moment qu'on voit le sticker, c'est. Ah oui, il est super. Ah ouais, ouais. Mais qu'il est con, c'est quoi à tourner en rond comme ça? Ah, bon là, on tourne plus là. Ah, il y a de la moustache. Bon allez, j'arrête des conneries, je vais me garer au près pour décharger la voiture. Bon, il y a des antennes de partout. Et ça encore, c'est rien. C'est rien par rapport à ce qui nous attend. Les pronostics vont vers... C'est... Il est où? Il est là. Et il est là. Allez, on fait une voiture personnalisée? Chiche. Chiche qu'on fait une voiture personnalisée, là. C'est... Qu'est-ce qu'on on pourrait lui... ouais, lui... Tu sais que c'est t'es en tort, là? Putain, le con, il est à côté de moi. Salut, toi. Oui, les amours. Moi, je me suis là parce que comme ça, j'ai déchargé. Et je te laisse la place. Ils ont pas ouvert derrière, là. Ça marche. Oh, putain, faut pas que je me trompe. Ouais, t'as trompé, pas, là. Il est avec nous, mais oui, mais regarde le autocollant derrière. Bon, on va y arriver. Tac. Bon, voilà, ça y est, on est installé. Alors, ok, les autres stands continuent à s'installer, d'autres vont arriver demain matin, tout le reste de la meute va arriver demain matin. L'un des organisateurs droit devant nous, et là, alors, nos antennes. Alors, toutes celles qu'on voit là, eh bien non, c'est pas celles-là qu'on va utiliser. La partie FCBA 33 avec le RCI, les fameuses brochures. L'ensemble du bureau ERCI. Ça veut dire que demain, il y aura une boutique en même temps au niveau de l'ERCI, FCBA aussi. Nous, la planète Sibi francophone, des autocollants, des pins. Des... voilà. Pas des pins, c'est, la, enfin, c'est comme les pins, c'est la roue. Hein. Là, il y aura un PC de 2000A avec, pour du SDR. On va voir ce qu'on va faire avec. Ah oui, entre.
entre ici, il est pas, il arrivera que demain matin, Jean-Guy, pour nous présenter, faire des dédicaces du livre sur la CIBIT, sur les associations. La coupe de l'ERC pour le groupe Kilomike. Là, une antenne comme ça, pour le fun. Alors par contre au plafond, ça c'est les LED. Alors pour limiter les QRM, bon, un filtre, deux filtres, trois filtres, le CRT 7009 dedans. Ah oui, tiens, là on voit les autocollants qui seront mis en vente là demain. On a des petits trucs. Eh bien, je vais les montrer puisque je les ai là sous la main. Pareil, là aussi, une pleine poche. Alors ça, vous pouvez trouver ça sur le forum, hein, directement, le forum de la planète CIBIT francophone. Donc là, l'activation va se faire demain, depuis ici. Tout est éteint, c'est normal. Puisque, bon, l'antenne n'est pas branchée. L'antenne, alors que je passe dehors. L'antenne, elle va aller dehors. Elle va venir ici, dans la remorque. Voilà, et elle sera, ben, elle montera là, ici, là, le long, hein, à 6 mètres de haut. Donc là, voilà, ça va être nickel. Là, il y a déjà des camping-cars de partout. Bon, on fera un tour demain matin. Hein. Tac, voilà. Ok. Devant, derrière, dessous, dessus, il y en a partout. Je ne sais pas qui elle est, cette voiture. Ok, bon, ben là, nous, on va se diriger vers le resto. On a rendez-vous pour 20h. Il est 18h55. On va s'approcher. Donc là, on est tout un petit groupe là, aller à se retrouver au resto. Et après le resto, eh bien, ça sera pas soirée danse, mais soirée DX nocturne et tout. Comme à chaque fois, on se met les voitures les unes à côté des autres. Et face à Bourse-Franc-le-Chaput, face à l'océan, et puis en avant roule. Et comme en ce moment on a propagé là, ça va être nickel. Oui, parce qu'il m'a semblé entendre des ondes perdues derrière. Ok, c'est parti. Voilà, descend M. On est trop près pour la BLU. Descend M. Ah oui, oui, non, mais là, c'est même pas la peine, là, en BLU. J'avais déjà fait un test comme ça. Allez, vas-y. Ah ok, d'accord, j'ai compris. J'ai fait déjà un test une fois comme ça avec un camping-car. Et c'était forcément BLU, BLU, BLU. On s'est retrouvé là à se suivre comme ça. Je lui ai dit non, là c'est même pas la peine. C'est descend la M parce que là c'est trop cracra là. C'est non, là c'est la M c'est très bien aussi. Hein, et il s'est rendu compte qu'effectivement en QSO de proximité comme ça, ben, valait mieux être en AM qu'en BLU, hein, c'est clair. C'est Galois, mais tu vois qu'il y avait le skateboard, là, comme je ne l'ai pas vu ce matin, qui était au téléphone, là, ben, je viens de le voir maintenant, là, que j'ai contacté ce matin, il était là. Ok, d'accord, ouais, ben trop tard, on est parti. Ah oui, là, maintenant, c'est dommage, mais c'est trop tard. Voilà, oui, parce que comme je ne l'ai pas vu, puis je ne sais pas si j'ai montré tout ça dedans, donc, ouais, c'est dommage, là. Oui, mais on se connaît si on s'arrête, et l'autre là, c'est vrai le croisement, on se connaît là, si on s'arrête, là pour le coup c'est une heure baisée. Il est déjà 7h15, le temps de mettre les affaires dans la chambre et tout, ça, l'hôtel, le restaurant pour 20h, non, on va aller mieux pas, on verra ça demain. Ah oui, tout à fait, oui, tant pis, oui, je lui avais dit que... On va faire le voir dans l'après-midi, mais bon, moi quand je suis arrivé, j'ai regardé, j'ai pas vu le skater,
là, l'après-midi, je regardais tout ça, si je voyais, mais bon, j'ai dit, ben, tant pis, ben voilà, et puis on vient de passer devant, et puis il était là. Ah ouais, comme quoi, hein. Au fait, t'es borgne. T'es borgne du côté avant gauche. Ah, d'accord, bon, mais écoute, je regarderai ça tout à l'heure, alors. Eh oui, il fait jour, tu roules le phare allumé. Là, du coup, j'ai vu que t'étais borgne. Ah, c'est bon, pour pas le fonctionner ce matin, bon, écoute, je regarderai ça tout à l'heure. Oui, non, mais ça arrive, hein. Et c'est quoi ce truc-là qui est au-dessus là, du feu? Regarde, on dirait des radars. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. D'accord, si ça se trouve. Ok, merci. Merci. Putain, ce monde qu'il y a là. Eh oui, c'est normal, hein. C'est la seule route avec l'île de Léron. Hein. T'as perdu quelque chose? Ouais. Je t'entends plus. Elle a perdu une antenne. Ok, d'accord, c'est ça le bruit. J'ai entendu un clac, effectivement, c'était l'antenne. Donc. Là, j'ai pas compris parce qu'elles ont très bien tenu ce matin, mais là, à peine elles ont. Je sais pas ce qui s'est passé là. Ok, vas-y. Oui, voilà, j'ai vu, j'y suis allé aussi. Je sais pas. T'as une brodeur qui avait envie de s'amuser, mais qui s'aperçoit que leur voiture c'est de la daube. Avec le testeur, je l'ai doublé, quoi. Oh, il a pas aimé avec un Renault de merde. C'est ça. Ah ouais. Ah putain, ouais, mais là ça a roulé, elles ont super bien tenu ce bateau, les antennes, par contre la TKV Bank, et là j'ai pas compris pourquoi elles ont décollé là, les antennes, là j'ai pas compris là. Mais moi non plus, on t'aurait pas fait une blague des fois? Va savoir. Moi aussi je le sens bien. On n'en dira pas plus, parce que si sur l'autoroute l'antenne tient très bien et que là tu roules à 30 à l'heure, l'antenne elle tombe, c'est qu'il y a un anguille sur roche. Hein. Ah oui, tout à fait, là, c'est pour ça que je n'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on verra. Tu sais déjà que demain, avant de repartir, tu as à contrôler les antennes. Ah ouais. Ouais, autrement, l'autre branleur, il avait envie de s'amuser. Je voyais qu'il accélérait et tout. Je suis resté en sous-régime en plus. Hein. J'étais en sous-régime quand je l'ai doublé, moi, pour le coup. Et, parce que j'étais en quatrième, mais bon, vu qu'on n'avançait pas. et là, ça y a fait bizarre. Ah ouais, non, mais c'est ça, là, mais c'est pas la route, c'est pas du tout, là. Oh, il avait envie de s'amuser, c'est tout. Oh, c'est. Allez, l'un comme l'autre, c'était niveau maternel, quoi, c'est tout. Ouais, bon, voilà, bon, ben c'est comme ça. C'est comme ça, il t'a klaxonné, tu l'as klaxonné. Bon, ben, ouais, faut que la musique, chanson se passe. Oui, Père Noël. Ouais, voilà, non, tu sais, moi aussi, hein, ça m'a amusé aussi. Hein. Heureusement que je le prends comme ça, quoi, parce qu'alors là, pour le coup, on ne fait plus rien, quoi. Ah, j'ai vu qu'il laissait passer, voilà. Et le merci alors, ah bah d'accord, toi il te dit merci, pas moi, non? Si, c'est celui de derrière qui t'a dit merci, le passager. Ah, d'accord. Si, si, c'est pareil, moi ils m'ont dit merci tous les deux, mais toi c'est le passager derrière qui t'a dit merci. Ah bah j'ai même pas vu son coup de pied, quoi. Ah non, il a passé au pied, il a fait la merde.
Ah ben lui aussi. Ah mais il y a plus de monde que ce matin. Hein. Oui quand même. Alors attends demain. Ils annoncent noir demain. Et oui, demain c'est le chassé croisé là de... Et oui. C'est... Ouais, ça va chasser, c'est sûr. Et les gens, ils ont envie de se dire, mais chez moi, c'est trois antennes. Attention, il y a un radar dedans, quoi. Et je déconne. Zut, on a parlé en même temps. Tu parlais de radar ou c'est qu'il y a un radar? Non, des antennes. J'en ai qui me font le coup, hein. J'en vois des fois, ils n'osent pas me doubler en voyant l'antenne sur le toit, la caméra déposée sur le tableau de bord. J'en ai qui n'osent pas me doubler à cause de ça. Hein. Ah, tiens, visiblement, il y a un radar. Ouais, ils sont perdus. Alors là où je rigole aussi, c'est que devant, en haut à droite, devant, j'ai le autocollant du RCI, mais il est sur un truc bleu, blanc, rouge. Et ce qui fait qu'il se confond un petit peu avec certains écussons, quoi, quand on le regarde vite fait, quoi. Et là aussi, c'est marrant, quoi. Ouais, mais moi, vous qu'il va falloir que je change mon affiche devant, là. Pour que mon indicatif kilomètre qui est le RCI, là, avec la planète qui est francophone, et là, quand je le rechange, lui, parce qu'il est vraiment fané, là. Ah ben, celui-là de RCI, je l'ai changé hier. Putain, au boulot, je l'ai montré à mon chef et je lui dis comme ça, à côté, là où je vais. Et il dit comme ça, t'as vu le soleil, regarde le soleil du sud-ouest, là, comment il crame. Putain, il regarde, effectivement, l'autocollant, il était cramé. Hein. Ah oui, il était marron, grillé par le soleil. Ah ouais, à ce point. Ah oui, vraiment, vraiment à ce point. Et ça faisait découper, là, tout autour. Ah ok, d'accord. Ah ouais, là, la photo, là, elle date de... voilà, 3 ans, je crois, la photo. Voilà, 3 ans. Ouais, d'accord. Ouais, donc, si tu vas faire un combinat, maintenant, je mettrai le t-shirt de... Bon, j'ai le t-shirt de la planète, c'est francophone, hein. Mais bon, je mettrai celui du Radio Club. Mais tu le fais bien comme tu le sens. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui te dira rien, c'est bien moi. Hein. Putain, mais le Dodan, il n'était pas un petit peu bizarre, là? J'ai l'impression de traverser un tas de gravillons. Hein. Ça, je sentais que ça a saucissonné un petit peu. Ouais, c'est le rond-point, ils sont assez bizarres, ouais. Oui, j'ai senti un petit peu là que, je sais pas, ça faisait bizarre. Ouais, Ah oui, c'est vrai, j'ai pas compris.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il n'y a rien de méchant là-dedans. Le principal, c'est que qu'on soit tous à table, qu'on s'amuse bien. Et puis voilà, le reste a que peu d'importance. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. Oui, non, c'est vrai, c'est bon. Ça. Ah, mais là, c'est là, tout à l'heure. Je me suis contenu. Tu parles d'un OM, hein, c'est ça? Ouais, d'une internet. Ouais, ben justement, à ce propos-là, tu as eu raison de faire QSY, hein, car, bon, j'ai lâché, je suis en train de faire une vidéo, hein, et carrément au début, et, on entend brièvement, c'est, il y a quelque chose de perdu dans le lointain, quoi. Oui, non, mais bon, je l'ai ignoré, puis voilà, quoi, et ça s'arrête là, hein. Tout à fait. C'est... Faut avoir l'esprit OM, voilà, tout simplement. Mais il y a des places ici. Ah oui, non, mais là, voilà, bon, j'espère qu'on va avoir de la place cet après-midi. Je me suis garé, oula, il y a complet le bordel. Ouais, tiens, ici à droite, là, il y en a une. Et là aussi. Et là, j'en ai une aussi. Et t'en as une là, si tu veux, si vous se mettez... Daniel, attends, Daniel, approche. Approche. On va être là tous les deux, l'un à côté de l'autre. Oui, deux l'un à côté de l'autre. Plein la terre, des kilomètres, la planète civile francophone. Et attends, on n'est pas servi. Comment ça? Pourquoi on n'est pas servi? Qu'est-ce que t'as pour pourquoi on n'est pas servi? Qui c'est qui a oublié de servir? C'est quoi ce bordel? Bon, voilà, on l'a refait. Donc, de ma part, le groupe Kilomètre, la planète civile francophone, la voix des autres qui se cache derrière. et bien la part de nous tous au salon du REF 17 qui va se passer demain. Exact. À votre santé. À la santé des kilomètres et de la planète civile francophone. Voilà, et qu'elle soit la meilleure possible. Voilà. 88 et 73 à tout le monde. Oh, attends, on n'a pas fait. Isabelle, t'as un discours à faire. Ah non. Je sais pas lequel, mais un discours. Si, Isabelle, la présidente du Club DX. Non. Si. Ah, tu la veux? Oui. Oui. Car je pense qu'il faut venir à Marennes pour faire une réunion kilomètre. Voilà, c'est dit. À bon entendeur. Salut. Voilà, à bon entendeur. Et puis, voilà, votre vote, hein, salutations, Daniel, kilomètre 4306. Ah. C'est pour l'arrêter, toi. Alors, on arrive au pas de résistance. Donc, on arrive au moule avec étalage de la crème dessus. Comprends qui peut. Plus loin, ouh, c'est pas mal aussi. Ouais, là aussi c'est pas mal. Là-bas aussi, j'ai les mêmes. Hein. J'ai les mêmes à la maison. Oh là 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 là. Là, il va y avoir de la moule heureuse dans l'air. Là. Oh là 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 là. Bon, nous on n'est pas encore servis, mais ça va pas tarder. Hein, aïe aïe. Bon ben d'accord. La suite arrive. Voilà. Oh la vache, c'est joli ça. Pardon ? Excusez-moi. Oh, c'est joli ça. Regardez ce que vous ratez. Bon, il a été tué avant quand même. Hein. On n'est pas des sauvages. Bon alors, on m'amène la surprise. La moule Pinot.
Voilà. Ben oui, il y a un boulot pinot, mon Rémi. Vous voyez ce que vous ratez? T'es bien fait et pour les vous. Et les odeurs. Et oui, sentez bien. Vous sentez bien là? Monsieur Rémi, tes frites. Nous, on le sent bien. Merci. Nous, on le sent très bien là. Ah oui. T'as dit Daniel, oh la vache. Oh mon cochon, quoi. Ah oui. C'est un gros cochon. Hein. Bon, ben c'est pas qu'on s'ennuie avec vous. Mais là, bon appétit. Voilà, bon appétit de votre côté et nous, au travail. Voilà, on sort de table. Il est quelle heure? Quelqu'un à l'heure? Il est quelle heure? 11h moins 25. Ouais. Bon, il fait nuit, ou presque. On a... Alors le restaurant, c'est qu'on le voit. Je ne sais pas si on le voit, on ne le voit pas. Le Terminus. Alors, c'est un hôtel-restaurant. Il est super. Alors, il n'y a pas que l'hôtel est super, qui est super. Il y a aussi l'accueil, tout. C'est, ouais, c'est vraiment, vraiment un endroit à venir. Donc, l'hôtel-restaurant-bar, le Terminus. Il est carrément au bout de Boursefranc le Chapu, avec le port. Donc là, ok. Alors, il y a... Des camping-cars, des copains qui sont là-bas, avec un antenne de 6 billets tout dessus. 100 heures, 14 kilomètres, 33,06. Ah ben, et le poste qui est éteint, hein? Ah, c'est quoi ce bordel? Attends, une minute! Attends! On a la flingue, on a la flingue! Ah putain, mais. Waouh! Oh la vache, il est beau celui-là! Ah, je comprends que tu voulais pas le mettre sur le tableau de bord. Aïe, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est la branchée. Tu l'as branché comment? Non, j'ai branché sur la batterie. Sur la batterie? Ouais. Hein? Il n'y a plus de jus. La batterie est là. Oh, bah attends, je vais faire le tour. Alors, plan A, j'étais parti pour aller directement à ma voiture. Bon, plan B. Mais c'est quoi cette installation à deux balles, quoi? Alors, le but du jeu, c'est de croiser des fils. Voilà, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil noir sur le bouton noir. Bon, alors, c'est un quoi comme poste? Le Yaesu FT-707. Alors. Ah, j'aime ces vieux postes. Parce qu'on vient juste d'allumer. Son problème de ces vieux postes, c'est qu'ils sont très longs à chauffer. Ouais, t'as des QRM là. Ouais. J'allais voir de mon côté là, qui est plus loin. Et pourtant, je suis sur batterie. Hein. Ouais, ouais, mais regarde devant toi. T'as du électrique là. Ouais. Je suis de faire demi-tour. Ouais. Je suis de faire demi-tour de notre. Je fais pas tomber tes antennes. Hein. Alors, du coup, tout à l'heure, eh bien, l'anecdote, quand on s'est arrêté sur le bord de la route, eh bien, c'est qu'il avait posé un panneau solaire sur le toit de la voiture, eh bien, le toit de la voiture, il est toujours là, hein, lui, le toit de la voiture, mais le panneau solaire, il est plus là. Il n'y a plus de panneau solaire. Alors... Petite visite du port, vite fait, enfin du port, non, du côté face à l'île de Léron. Alors, je sais plus comment c'est là qu'il y a en face. J'espère que ça bouge pas trop comme ça sur la vidéo en marchant. Fort Louvois, voilà, ça y est le nom. Non, on voit pas sur la vidéo, je suis pas sûr. Alors, juste en face, c'est Fort Louvois. Voilà, et à chaque fois on se met face à Fort-Louvois, face à l'île de Léron qui est en face. Là, sur la gauche, voilà, on voit les trucs scintiller et tout ça bouger. Le pont de l'île de Léron. Et donc, à chaque fois, je dirais bien tous les ans, mais bon, il y a eu 2 années de Covid hein, qui nous ont bien handicapés. Ah, voilà, Daniel, ça y est, il est parti. Ah, voilà que j'entends que je commence à entendre du monde.
Toi qui fais, tu t'éloignes hein, du bâtiment. Ouais, c'est parti là. Bon, je vais voir ça de mon côté. Si j'entends mieux là-bas, je te fais signe de suite. Parce que c'est vrai qu'en principe, c'est plutôt de ce côté-là qu'on se met. Tac. Alors, voyons ça. Bon. Petit incident avec la caméra. Je l'ai fait tomber, elle est niquée. Bon, ben, je poursuis avec le téléphone. Donc là. Oh la vache, il est juste à côté là-bas. Alors tout à l'heure j'ai entendu c'était Marboutier. Ah, c'est moyen là ce soir. On a connu mieux. CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel et qui propose à QSY sur le 27-585. 27-585. Ça fait baisser la lumière. Oui, regarde. CQ CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Bourse-Franc-le-Chapu, département 17. CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu, juste en face de l'île de Léron, sur le département 17, Charente-Maritime. Bon, désolé si la qualité sera une qualité de chiotte, en disant avec humour. J'ai niqué la caméra. J'avais une connerie à faire ce soir. Je ne savais pas quoi faire. J'ai trouvé. J'ai baisé la caméra. Donc là, je suis passé au plan B, c'est-à-dire le téléphone.
Ah, ça s'affole. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, 14 km 3301, qui vous propose un QSY sur le 27 585, 27 585. C'est parti. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Boursefranc-le-Chapu face à l'île d'Oléron. Ah ben zut alors. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 et qui propose un QSY sur le 27 585 27585. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis Boursefranc-le-Chapu face à l'île d'Oléron. Ben, ce soir, c'est mort, hein? Ouais, je... Alors là, on est bleu ce soir. Mais non, il y a un peu de monde qui passe, c'est pas forcément... Alors là je suis en train de discuter avec 14 km 3308 de mémoire, non, c'est quoi déjà ton... C'est 08, 010? Ah je me mélange toujours. 09, bah ben, c'était entre les deux. Voilà, qui est à côté de moi. Au moins, là, ça passe. Ouais, mais là, j'entends bien faire ça plus SY, mais comme je parle pas la langue... J'ai pas écouté. 6 quelque chose. Ouais, ouais, mais bon, comme j'ai pas... 6 sur 5. J'ai pas su. 6, 4, 5. Ah oui. C'est pas épais, non? J'arrive pas à comprendre les premiers chiffres. Oh, j'entends Daniel qui parle chewing-gum. You repeat, please. You repeat, please. To your side, please. Moi, c'est pareil, j'ai des étrangers qui arrivent, mais je comprends rien. Hein? J'ai aussi des étrangers qui arrivent, mais j'arrive pas à comprendre. Alors, je m'éloigne un peu. Dans mon push, j'avais vu le Lincoln 2, Lincoln, vous voyez, 2 plus. Et là, devant les yeux, vous avez le Lincoln 1. Lincoln 1, ancienne génération. C'est laquelle, la première génération? La toute première génération. Et là, t'as du monde là maintenant. Là. Ça commence à monter un peu, on dirait. Avec le Lincoln, je reçois mieux qu'avec le gros. Comme quoi? Comme quoi. Hein, voilà. J'avais voulu prendre, mais. CQO, CQO, CQDX, CQO, CQO, CQDX, 14 km 3306, 14 km 3306, mobile, portable, QRZ. Alpha 149.
Delta Alpha 1 for right. To the right on 25. Eh oui, c'est indiqué la caméra. Ouais. Elle est morte. Ah mince. Elle est tombée en plein sur l'objectif. Oh, yeah. J'ai le frein d'enterrement. Oh merde. Ouais. Et le Brésil. Bien, le Brésil. Bon, voilà, quand même, là, c'était mal engagé au départ. Et là, vous voyez qu'il y a quand même depuis ce QTH, ça passe. Oh, je vois là-bas. Ah, mais non, c'est ta femme qui est dans le camping-car. Il va y en avoir qu'un qui est branché. Non, mais l'autre, c'est les fréquences radioamateurs. Ouais. Je te vois là, je te croyais dans le camping-car, mais non, c'est n'importe quoi, moi. Comment? Oh, le traumatisme. Non, mais je me suis dit, putain, je vais aller voir à tous les coups, il est en plein QSO. Ah non, je pense pas, non. Les 4 watts, alors ça veut rien dire. Ouais, j'en ai vu faire du DX avec 500 milliwatts. Oui, ouais. Et ça marche. J'ai eu un Normandie de Camargue. Ouais. Normandie, le Calvados. CQO, CQD. Appel au général de 14 kilos, Mike, 3306, portable. La Charente maritime, appel DX, appel DX. Même avec 4 watts, si ça peut passer, si la propagne est comme il faut. En portable sur la Charente maritime pour le salon radio amateur de Marraine, QRZ. Ah. Oh, ça parle français là. C'est la Guyane, je crois. La Guyane, me semble. Attention le Sud-Amérique, attention le Sud-Amérique pour 14 kilos, Mike, 3306, en portable sur la Charente maritime. QRZ. Pas plus. 12 watts. La Colombie? Oui, je peux comprendre aussi Colombie. Écoutez, je crois qu'il y a un drapeau en Colombie. Là. Oui. One for Kilo Mike, 3306. One for Kilo Mike, 3306. Portable, QRZ, please. C'était bien la Colombie? Je sais pas. Demande-lui du sucre. C'est une colombie pour encore que la Colombie. Putain, oui. Break, break, Kilo Mike 3306, Daniel, portable sur la Charente maritime. Florian, comment vas-tu? Ah, bon, du français, en guise de France. Ouais, Florian, pas de soucis, oui, tout va bien, je te remercie, bien content de t'écouter, ça fait un petit moment que je t'ai pas écouté. J'espère que toute ta petite famille, que papa va bien, voilà, que tout baigne pour vous. Voilà, et pour nous, pareil. Hein. Je sais pas si. Je sais pas dans là-bas, si vous avez beaucoup de chaleur, si il y a eu des feux ou pas, là. Et Florian, toi. Nous, ici, ouais, t'as rien, toi. Il a un super QTH, apparemment, parce qu'il n'a pas autant de puissance que ça. Qui ça? Parce qu'il parle Mario du Portugal. Avec la Belgique, il appelle les gens. Oui, oui, oui. Et moi, je m'en crois pas. Ah, tiens. Le Mario qui t'appelle. C'est retombé là, non Non, non, je sais pas, l'autre fois. C'est Jean-Yves, hein, c'est 14 Golf Radio 19, hein, 019, hein, qui est sur Yves, dans le Gard. Voilà. Tu arrives à Tichy, Florian, ton courant, JDB. Comme d'habitude, toujours une excellente radio. Hein, voilà. Allez, on vous embrasse, Florian. Bonne soirée, merci. Break, 14 kilos, Mike, 3306, en portable sur la Charente maritime. Mario qui t'appelle. Il appelle les gens. Ça va, vous dites? Apparemment, il y a un petit peu. Est-ce que c'est en fréquence? Moi, je suis.
Ah d'accord, ok, ça s'est bien passé la route. Ah effectivement, il faut que je regarde mon œil en fait. Oui, t'as vu ? Ouais. Ah ouais. Alors c'est là-dessus que les huîtres poussent. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Pour faire des dessins de huîtres. Non, ça c'est pour les moules, ça. Ouais, mais c'est un peu de huîtres, mais c'est maturant. Les gens, c'est le collecteur. Ouais. Ah, pas mal. Hein. Mais si on n'entend pas le second, il ne nous entend pas. Ah oui, oui, toi, c'est de l'autre côté, toi. C'est la partie ouest, hein. Tu pars vers l'ouest, toi, hein, que ça. Break, break pour Daniel, Kilo Mike, 3306, portable 17. Le volume là-dessus. Ah, le volume, il est ici. Ouais, c'était tout un peu faible. Changement de fréquence, c'est ici. Le volume là. Bon, l'écho est retiré. Ah. Ah. Canada, Guatemala, ça dépend de zéro, non? C'est 1, 2, 3, 4. Vas-y, mais j'ai pas mes lunettes. Attends, on va voir. Break à break. Attends, on va les prendre à eux, on va essayer avec toi le... Attends, on bouge pas, one moment, thank you. Break à break, Daniel mobile. J'arrive, c'est parti, il est parti Laurent, je crois. J'arrive, il va revenir, hein. Il a dû faire un petit peu récupérer avec ça. Ok Laurent, attends. Break à break, Daniel mobile. Oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Réel ou c'est pas si, si. Si, si. Ouais. Je peux pousser plus. Ouais. On est sorti du poste. Est-ce que là, t'as le fouet. Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. C'est le vent lexique. Oui, oui, c'est ça. Non. Il y a la moustache. Je vais essayer d'aller voir. Ah oui, tu appuies dessus, tu changes la virgule. Oui, c'est ça. Non, ça va, je reste sur les zéros, comme ça, moi, je... Donc comme il y a souvent du monde sur les zéros, je vois pas bien. On est sur 27440. Alors ok, alors attends, mets-toi sur les zéros. Tac, appuie un coup. Voilà, c'est tout. Toi, tu es toujours en pas de 10, mais terminaison 0. Pour ça, il est pas mal comme poste. Hein. Non, c'est trop bas. Break a break, 14 kilomike, 3306, 14 kilomike, 3306, portable sud-ouest de France, QRZ. T'as vu, ça fait même baisser la lumière. T'as une tourne le moteur là. 430. Secure X, 14 kilomike, 3306 portable. QRZ, please.
Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, ce sont la propagation. J'ai essayé sur le tout à l'heure sur le Québec, c'était pareil. Break, break, Daniel Mobile. 430, hein. Non, pas plus. C'est le RF Power, là? Oui. À combien tu rentres dedans? Là... 10 watts. Ah oui. D'habitude, je le mets un petit peu moins. Ouais. Là, c'est, non, c'est, voilà, là, là, c'est bon comme ça. Là. C'est, voilà. C'est 6-8 watts, il faut rentrer dedans. C'est, oui, voilà. Là, j'y suis, là. Ouais. Bon, il n'y a pas rien. Hein. Ce soir, ça ne veut pas. Break break pour Daniel Mobile, break break. Ça va pas, hein? Alors, comme quoi, c'est bien la propa qui fait tout. Hein. Ouais. Le clarifieur, il est là, là. Le clarifieur, il ah, est ici. Il est là, d'accord, ok. Ah, c'est le tout petit, là, tout à l'heure. Là, je l'ai connu pas bien, c'est... Ah, oui, bah oui, tu m'étonnes. CQ 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 C
parti chercher sa feuille, je l'ai mis sur la fréquence des tannons. Autrement dit, 27-625. Ah, il s'est un peu en stand-by en ce moment. Ouais, bah enfin, on peut ça, on fait ça coûte à rien. Hein. Ah oui, et c'est en... Un Lima Sierra Bravo. USB, non, non, uniforme Sierra Bravo. T'es sûr? Oui, c'est là. Bah, je crois que c'est un Lima Sierra Bravo. Hein. Tu veux du Lima Sierra Bravo? Alors, ok. Là, oui. Fréquence d'appel. 27-385. Et là, effectivement, c'est en Lima Sierra Bravo. D'accord. Donc là, c'est... USA, Canada, voilà tout ça. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, t'as des appels là, toi. Ouais. Toi, ce qu'on n'a pas pu haut, on l'a ici. Ouais. Mais bon, ça c'est QRP quand même. Ouais, c'est... Break, break, QRZ, QRZ, 14 kilomike 3306, 14 kilomike 3306, 14 kilomike 3306, QRZ, please. T'as vu le toast qui s'affiche en même temps, ouais. Un point, c'est tout. Ouais. C'est nickel, hein. Et en plus, on a, t'as la puissance, c'est pas tout. Hein. Oui, oui, oui. Là, mais ça montre bien comme quoi avoir de la puissance, ça ne sert pas à grand chose en fin de compte. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Ça peut, on va dire que ça permet d'économiser le poste lui-même. Ouais, mais c'est comme tout. Ça, lui, il reste en petite puissance. Mais oui, effectivement, c'est tout. Ouais. 625, que tu m'as dit? Oui. C'est-à-dire qu'elle a 18. Et là. Oui, vas-y. CW, PA, AM, FM, USB, voilà. Ça oblige à faire le tour comme ça. Alors, c'est pour ça que les boutons manuels, quand même, c'est bien plus pratique. Ah, mais bien sûr. Je vois sur le Lincoln, t'as vu clair que c'est. Il n'y a pas photo, hein. Mais de toute façon, au niveau des postes de nouvelle génération, tu prends n'importe lequel. Ouais, même le 7009, c'est pareil. Ouais, hein. C'est ça, oui. Attention la 09, attention la 09, le Québec, attention, appel général en direction du Québec. Appel en général en direction du Québec de 14 kilomike 3306. 14 kilomike 3306 en portable. QRZ, QRZ. Appel général, appel en général en direction du Québec. Appel général en direction du Québec. 14 kilomike 3306. 14 kilomike 3306. Portable QRZ, QRZ. Ah, ben là, c'est le flop complet ce soir. Ouais. Bon, ben c'est pas grave, ça veut dire qu'on va peut-être se coucher plus tôt. Quoi. Voilà. Ah ouais, ben, c'est bon, là, tu peux, je pense qu'on va pouvoir. Ouais. Les 73 à tous et à demain au salon. Voilà, Daniel Kilomike 3306 qui vous salue à tous en compagnie de. C'est maintenant qu'on va QRT qu'ils s'affolent. Ils sont mauvais quand même. Hein. Ah, ils sont très mauvais. Ouais, ouais. On se barre de suite, chouette, on va en profiter. Quoi. Les saligots. Hein.
CQ, CQ, CQDX, CQ, CQ, CQDX. Appel général de 14 km 3306 en portable sur l'île de l'Hérault. QRZ. Ah, tu deviens intéressant de seul coup. Waouh. Oui, la station, la 73 de 14 km 3306 en portable. Ok, c'est parti. Ok. Oui, la station. Il y a des jeux du monde. 14 km 3306 en portable. Et il est plus raide. Il y a des gens qui sont là. Ouais, il y a des gens. QSY, QSY, 420, QSY 420 pour l'île d'Oléron. Donc, un coup. Oui, la station pour l'île d'Oléron, les 73. Attention, la station qui appelle l'île d'Oléron, 73. Bon, on n'est pas vraiment tricheur, parce que vous voyez les lumières qui est à droite devant nous. Eh bien, si, c'est là, hein, quand même, l'île d'Oléron. On est au pied de l'île d'Oléron. Ouais. Bon, on n'a pas les pieds dans l'eau. Voilà, déjà mais c'est bien. Déjà c'est bien. Bon, écoute, hein. Ok. Oh là là, j'ai pas compris. Moi non plus. Écoutez, c'est maintenant qu'elle arrive, la propague. Il est 23h35 passé. Pas zéro, mais c'est le combien. Attention l'île de la Guadeloupe, attention l'île de la Guadeloupe, avez-vous copie de 14 km 3306 en portable sur le sud-ouest de France, QRZ. Je veux pas dire, mais je suis pas sûr que c'est la Guadeloupe. Tout à l'heure, oui, mais là, je suis pas sûr. Hein. Je dis ça, je dis rien. Break, break, 14 km 3306 portable. 14 km 3306 portable. QRZ, please. Scotland. Ok, Papa Whiskey. Ok, Papa Whiskey. Ici, my name is Daniel. My name is Daniel. Kilo Mike 3306. My name is Daniel. Kilo Mike 14. Kilo Mike 3306. Portable. QRZ, please.
South America. I'm watching South America. 1-0-8, Papa Whiskey, number 7. Attends, j'ai pas compris. South America, QRZ. Il est où, juste hein? Bon, ça me rassure, je suis pas tout seul à pas comprendre. Ouais. Break, break, Papa Whiskey, break, break, Papa Whiskey. 14, Kilo Mike, 3306, 14, Kilo Mike, 3306, portable, QRZ, QRZ. Mexico, Scotland, ouais, j'ai rien compris. C'est pour ça, c'est chiant de les mecs qui. Now you're coming in with a boy, I don't know where he's in Portugal. The station in England, I'm actually calling for South America, my dear friend. C'est beaucoup le Sud-Amérique en ce moment. Ouais. Mais oui, il arrive écrasé lui là. Ouais. Tiens, on va aller voir ce tapis. On va aller voir là-haut. S'ils y sont. Ouais, mais là, t'avances pas vite là. Ouais. Attends, mais disons. Ouais, voilà. Là, c'est du soutenu là. Alors, j'ai pas trop l'antenne de régler de ce côté-ci. Hein. Ah, je suis étonné. Ah, la Wilson 5000, elle marche bien. Hein. Allez, bien, bien. Ah, je suis étonné. Attention, Dominique. Dominique, tu as l'écoute pour Daniel. Dominique, pour Daniel. Ah, je suis bleu. Mais... Parce que, de la façon dont j'ai régulé l'antenne, le point central... Alors, j'ai jugé entre le fait qu'on aime les PA chauffent davantage par rapport à la BLU. Ouais. Je me suis pris comme point central le canal 35 par balle. Moi, je prends le 305. Je prends toujours le 305. Quand il est toutes les antennes, le 305. Ouais, oh, je sais plus. Moi, ouais, mais de toute façon, le 30 ou 35, je sais plus. Ouais, mais c'est, voilà, le 30 ou le 35, ouais. De toute façon, peu importe. C'est, ouais, mais... c'est ce qu'il faut, de toute façon. Par une antenne, je crois que... Ouais. Là, c'est pas vraiment pour nous, là. C'est pas vraiment pour nous. Bon, ben c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. On va se limiter au monde. Ce coup-ci, c'est la bonne. Ouais. C'est plus content. C'est toujours dur de couper. C'est plus facile de couper le moteur de la voiture que de couper le volume du le poste. Bon, allez. Ils avaient des techniques, quoi. Ils avaient des techniques. Pris sur le fait, il a craqué. Il a rallumé le poste. Putain, mais t'es sacrément bas là en fréquence. Mais vrai que l'antenne ne suit pas, ça reste non, bien quand même. Non, là je suis sur l'antenne, là je suis sur la DK. Ah d'accord. Ah oui, ah oui d'accord, ah mais c'est la zut, là, oh zut, avec le fil qui pendouille, là, c'est la Outback. Oui, bon évidemment, là on la voit pas.
C'est vrai qu'elles sont pas mal ces hubbacs. Hein. T'es en LSB là. Hein. Putain, il a du mal hein. Bizarre comment il récepte. Oh, on dirait qu'il a du mal. Il est sur le 10 mètres, mais il est pas sur le 10 mètres. Si je me trompe pas, tu as le. Bien souvent, le Québec est sur 14 mégas, je crois. Ah, oh, bah alors là. Là, les jeunes qui se mettent là, là c'est du grand local. Hein. T'es en LSB hein? Oh, c'est bizarre comment ils réceptent. Hein. Le son est grésillard, hein, nasillard. Oui, il y a comme s'il y a quelque chose qui marchait pas bien, quoi. Oui, c'est ça. Sur une station, je veux bien, mais sur toutes, on a presque envie de dire qu'il y a peut-être un souci, là, une révision à lui faire.